Big note quand même, mais bon. Les 60 gold, ça met toujours bien. Est-ce qu'on va réussir à avoir les 120 gold gratuits en commençant par le machin? Waouh! Waouh! Ma Caitlyn qui me dit que je peux perma roam, ça peut être intéressant. Surtout que Jinx machin, ça va être compliqué d'aller les chercher en vrai. Bon bah, tant pis, ouais. Ok, bon, on a les 120 gold. Petit problème, j'ai raté l'XP du début. Est-ce que c'est grave? C'est pas la fin du monde. Ça met bien la... Ça met bien le Shogat en vrai. Yo, petite pause pour vous dire qu'aujourd'hui on est sponsorisé par Instant Gaming. Instant Gaming est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux digitalisés les moins chers sur le marché avec un catalogue extrêmement complet, que les jeux soient anciens ou récents, ils vont probablement l'avoir. Mais faites attention, les stocks sont pas illimités. Il y a aussi un concours où vous allez pouvoir gagner une console Steam, c'est complètement gratuit. Lien dans la description, à fun et bonne vidéo. C'est pas la fin du monde, c'est chiant mais 120 gold c'est quand même cool. Ouais. Bah, bon. J'aurais pu m'en sortir. J'ai très mal joué. J'ai mal joué parce que j'aurais pu recue derrière et je voulais m'assurer qu'on la tue en fait. Parce que je crois qu'elle avait pas flash la Lulu, donc ça me saoulait un peu. Vous adaptez. C'est bien, elle suit la Caitlyn quand je fais des agressions, même si j'étais loin. C'était clairement juste pour mon item support, rien de ouf. Elle a plus de Q, elle. Ok, merde. Ça va, on les a ralentis. Wouah! Alors là, si ma Caitlyn sait jouer les gens, bah y'a plus de game. Le turn, ça c'est un ADC les gens. Ça c'est un d'ADC les gars. Après, j'avoue, j'ai perdu confiance avec beaucoup d'ADC que je fais au début et ils arrivent pas à se placer en teamfight. Mais là, là on est possiblement avec un très bon ADC. Nice, en plus le top il regagne. Putain, on a la même... Non. Don't. Oui, cool. Wesh, il a un ghost! Ok, mais je vais tryhard la game. Par contre, eux, ils ont plus de game. Hein. Là, le Jinx flash et tout, là, le cancel back, je vais les fumer. Cette game n'a aucun sens, j'ai l'impression que je redécouvre le jeu, je comprends pas. Petit jungler, Shaco. Ouais. Bon là, clairement, l'Exhaust Ignite m'aide beaucoup. Bon bah, ça c'est un vrai ADC, hein. C'est même une vraie équipe, pour le coup. Les bons ADC ne sont pas toxiques. Genre, la hache que j'avais la dernière fois, il y avait deux autres ADC. À chaque fois qu'ils sont toxiques, ils puent la merde. Là, je peux pas trop m'approcher, malheureusement. Un peu risqué, elle. Non. Meurs du dernier tick, s'il te plaît. Attends, mais elle meurt vraiment pas, là. Elle a le tic. Let's go. Là, je cherche juste à ramasser des gold.
Moi j'ai exhaust direct. Peut-être que l'exhaust fera quelque chose. Ça me va. En vrai ça me va. J'ai un KDA de merde mais... C'est bien. En vrai mes cooldowns sont courts de summoner je trouve. Il est mort je pense. Allez meurs s'il te plaît. Oh, merci. Ok on fait attention à ça quand même. Oups, lui il régène avec les sbires donc il faut que je lui laisse. Trop important pour lui. Et j'aime trop jouer avec une équipe comme ça, ils sont tous bons genre. Qu'est-ce que c'est plaisant bordel. Quel bonheur. C'est tellement une sensation mais tellement bonne de jouer support, fête des gens. Tu vois tu fêtes ton ADC et il joue bien. Et il est pas toxique. Oh, trop bien comme sensation. Truc de fou furieux genre. Désolé. Il a plus rien. Bon, il est bon. Fallait surtout pas se faire toucher par le dash en fait. Alors, si on les tue en vrai, ça peut mettre bien. Nice. Alors là c'est bon. Hein. J'ai mon objet. Ah j'ai fait en sorte de bien KS les deux. Renekton AFK on nous a dit donc. Hein. Donc lui il va juste Q. Mais attends il va Q, il va Q ça en fait. Ah. Ah ça fait un peu de dégâts. Non on va pas se mytho. Hein. Alors elle vient de E hein. Ils vont FF. Vite avant les FF. Yes. Let's go le KDA avant tout. Ok c'était no joke. Une des games les plus plaisantes à jouer de ma vie. No joke. J'ai fed un ADC et il a su utiliser les goals qu'on lui a donné. C'est un truc de ouf.